que... Vous vouliez de la bite ? Un état connasse ! J'arrive, je vais faire la sainte commission. Faut que j'aille chier, sinon je vais couper le stream. Si vous deviez utiliser un mot pour décrire ma conduite. Secondes, si on égalise. Merde, j'ai raté. Ah bah c'est pas bon du tout. 10 secondes. Allez, Ré, sors là, frère. Hop là, allez, 5 secondes. Tu t'égalises, cousin. J'ai pas de boost. Non. Mais vous voyez. Mais quoi? Mais attendez. C'est une fraises de saison, elles sont juteuses. Mais oui, tout à fait. Ah. Il fait beau, là. Effectivement. Alors, vous êtes sûr que c'est pas le parking rouge, mon capitaine, là-bas? Monsieur, vous m'avez montré à peu près tout, mais vous m'avez pas montré le toilette. C'est pas le parking rouge, mon capitaine, là-bas? Oui, c'est le parking. Attendez. Ah oui, les toilettes, venez, je vous accompagne. Elle est expédiée pour l'SMS. Ici. Non, ici, là, voilà. Merci, mon fils. J'arrive, je vais faire la sainte commission. Ouais, putain, mais t'as donné des fraises pourries, en fait. Bah, c'est l'enfer, moi aussi, ils ont donné ça, là. Ils m'ont filé ça aussi, ces connards, là. Mais putain. Comment tu veux qu'il adhère avec cette connerie, maintenant, la fraise juteuse, je sais pas. Ah, non, putain, mais merde, en plus, c'est un bon, on a besoin, hein. Mais oui. Moi, je vais les engueuler, hein. Là, tu lui donnes une fraise et regarde-moi ça, il chie comme s'il glisse, putain. À terre. À terre, let's go! Alors, la grosse queue, hein? C'est toi la grosse queue! Vous vouliez de la bite? Montre-la! Vous vouliez de la demi? Attention, regardez, ça monte à combien? Regardez, ça monte à combien? Oh, le corbillard! Oh, le corbillard à 130! Le corbillard à 130! 140! 150! Oh, regardez le chat! Je vais vous demander votre parole et votre plus grande foi. Bien sûr, je vous la donne. Très bien. Répétez après moi. Je promets. Je promets que mon établissement ne se livrera jamais à des activités illégales ou immorales. C'est la formule nécessaire pour que je puisse apporter la bénédiction de Dieu. Je ne peux pas apporter de la bénédiction de Dieu envers une activité illégale ou immorale, vous comprenez? Bien sûr. Au revoir. La partie silence était insane. Je lui trouvais vraiment des défauts monstrueux. Mais franchement, le 21... Quoi? Aneta, connasse! Elle a appuyé sur le bouton éteindre le PC! Mais on va jamais jouer, frère! On va jamais jouer! Oh, ça me casse les couilles! Ça va qu'elle a pété. Ah, elle est partie! Un chat qu'on déteste. Oh, oh, oh! Dites fuck Aneta dans le chat. Spammez fuck Aneta, je vais lui montrer, elle va avoir le seum. Alors, comme ça, on monte sur le PC, on appuie sur éteindre? Hein? Hein? Et après, tu joues, t'assumes pas? Et après, tu fais la meuf? Hein? Hein? Hein, Aneta? Mouah. Bon, t'es mignonne, hein. Ah, t'es bébelle, hein. Ah, elle est belle. Regardez comme elle est belle. Elle est sur mon bidard. Tourbillon. Ça fait des tourbillons. Voilà. Non, vous avez formé... C'est normal que ça ressemble à deux couilles. Oh, oh oui. Quel doux hasard, mon fils. C'est bizarre, ouais. Incroyable. Incroyable. Bah, vous vous doutez bien, hein, étant pasteur et ayant fait vœu de chasteté, je n'ai bien évidemment pas fait exprès. Pas de soucis, vous inquiétez pas, je comprends. T'as les bonnes couleurs en plus, fais tes tout droit quand même, Milan. Oh bien. Oh là là. Oh là, oh non, 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 non. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est quoi ce jeu? Pourquoi?
pourquoi je me fais troller tout le temps sur FIFA là aussi, mais c'est quoi ce jeu? Mais non, mais j'en ai marre. Vas-y, c'est plus pour moi les jeux de trucs, vas-y, je vais quitter tout ça. Mais non, mais faut arrêter, je prends Yoris exprès et l'autre il me fait une dinguerie sur un vieux truc. Son ambulance et ça faisait. Et de temps à autre, et c'est là que j'ai décelé peut-être un petit problème au sein de cette ambulance, c'est que ça pouvait faire des bruits un petit peu bizarres pour une sonnette. Ah bah si, oui, c'est plus une sonnette. Là, ah, mais hein. Ça pouvait faire. C'est plus une sonnette là. Ah non, mais c'était carrément une gargouille. Ah, c'est une gargouille. Attends, il nous regarde bizarre à l'accueil. Ah mais, ah bah, on booste? On booste ça? Ah non, j'ai fait n'importe quoi. Je vais faire la frappe en latéral là. Oh, peut-être? Non, mon allié! Mon allié! Ah, l'aide! Je pensais rentrer pas de toute façon. Non, je l'ai frappé! Non, j'ai donné un but! Ah, l'aide! Ah. Oh! Oh! All one shot. All one shot. Moi, je suis pas du type punitif, tu sais, faut pas genre répondre à l'insulte par l'insulte. Tu sais, faut essayer de trouver un moyen de faire en sorte que cette personne se remette en question, se dise bah vas-y, j'arrête d'être toxique, ce que j'ai fait c'est pas bien. À partir de là, je me dis que tabasse ta grand-mère la pute, ça le remettra dans le droit chemin, tu vois. Ça, voilà, ça lui éclairera les idées un petit peu, tu vois. C'est comme ça, il se dira vraiment, voilà, j'ai fauté, c'est pas bien. Ah oui, ça groove. Oui, sympa. J'en ai une autre, si vous voulez, dans le même style. Oh, ah, ça, on connaît. C'est un truc asiatique. C'est le Japon daltonien, ça. Il est bon. Le Japon d'Astonia. Est-ce que t'as la calvitie? J'ai une calvitie énorme, frère. Ça c'est la repousse, mais j'ai une calvitie énorme. Je pense que si je vous montrais ma calvitie là tout de suite. Oh là là. Ouais, c'est assez repoussé. Vous êtes prêts pour la calvitie ou pas? Je vous la montre. Là, je vous la montre en qualité HD avec la nouvelle caméra et tout. Wow. C'est là. Je rentre directement comico. Je croise le pasteur qui a l'air trop chaud pour me prendre avec lui dans sa chorale. Sa communauté semble très ouverte. Ils prennent tout le monde, même les athées. Moi, ce que je veux juste faire, ouais, c'est chanter. Bismillah. Vas-y. Avec quoi avons-nous bloqué le mur de Shigonshina? Je sais pas. Avec ton ventre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alléluia. Mais pourquoi il s'arrête à 8? Pourquoi vous... Vous savez pas compter, monsieur. T'as 8. Il est tombé. Oh non, mais j'aime pas quand les gens... Statam, bah, par exemple, Statam pour Pépito, là, tu vois, c'est accepté. Attends, juste, vraie question, c'est quoi un serpillère? Une serpillère. Je suis un abruti. Une serpillère. Attends, tu voulais écrire une serpillère? Pourquoi une serpillère? Moi, c'est pillère. Une serpillère. En lit. Honteux, en lit lettré, tête de ma mère, c'est un lit lettré. Serpillère. Je vous prie de me donner vos plus plates excuses, s'il vous plaît. Attends, deux secondes. Écoutez, mon fils, mais c'est pas possible. Que Dieu puisse bénir votre âme maudite, enfant du chétan. Pourquoi est-ce que tu te précipites pour balancer un parpaing et perdre le ballon alors qu'il n'y a même pas d'appel qui a été envoyé? Pourquoi est-ce que ça va me recruter un but supplémentaire? Regardez, on va encaisser un but sur un ballon rendu. Hop, et le défenseur totalement aux fraises, et voilà. Coucou, je connais Football Manager, ce jeu de merde sur le bout des doigts.
Je suis désolé si je me loupe un peu en hélico, mais normalement ça devrait aller. Non, mais je vois que pour quelqu'un qui n'a encore jamais conduit d'hélico, vous avez une certaine dextérité, Roy. Mais attendez, faut que je ralentisse, faut que je ralentisse, faut que je ralentisse, faut que je ralentisse. Attention, attention, attention! Ameno, amenotore, amenotorie. Esper, le coma c'est difficile, depuis longtemps j'y ai souffert. C'est là-bas que j'ai appris le rythme, que j'ai appris comment rapper. J'espère qu'au moins mon père, tu verras un peu ton frère. Celui qui te tendra la main et ne l'apprends pas tout de suite. Si le bout du tunnel, il est tout coloré. Si il est plein de lumière et que tu le vois jaser. N'hésite pas, fais demi-tour, attends un petit peu. Je suis sûr que dans quelques instants, on viendra nous sauver. Alors mon père, reste un peu plus longtemps parmi nous. Il faut absolument assurer tout pour coup. Le mariage sans toi, il n'aura jamais lieu. Et si quelqu'un décède, qui va l'enterrer? Allez, mon père, écoutez-moi. Je sais que vous êtes en train de partir dans l'au-delà. Et retenez-vous, faites demi-tour d'un petit pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est juste qu'un coma. Moi je connais ça, vous savez, c'est pour ça qu'on m'a surnommé Comaladé, le rappeur, le slammer de Los Santos. Alors, tiens bon. Pour se donner du courage. Bon les mecs, il y a un autre supplice et je vous jure, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, j'ai mal au bide, faut que j'aille chier, sinon je vais couper le stream. Ah, dans 5 minutes, j'arrive, je vous jure, j'ai trop mal au bide. J'arrive.